שבת, פרק 11, דף צדיק ט, עמוד א' ועמוד ב', נוג שבת, עוזים שפיף, לפש כתובה דיזנף, א' וב'. לקור לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, רבי דוד ניסים מסולין שם, רבי שמואל ליבה, מרדכי בן שרה הכהן, ויצחק בן אסתר, גם כן לרפואת הנשים, סופי יופי בת לאה, ואלכסנדרה אסתר בת פטריסיה לונה, בת לונה פטריסיה. וגם מחלוף בן אסתר. מחלוף בן אסתר. ומשה בן שותנה. משה בן שותנה. Alors, donc nous avons dit Julia Tabor Véasela. שהן גבוהן 10 ורוחבן 4. חוליה תבור, חוליה שדובור אילה קרוזה, ויהיה אין בורדור, לפלון פרנסי למרג'ל, שום חוליה, כפת דפלוז'ור פייר, ואלון פייר, מלטום לחוליה אבק לפרופונדור, du puits, ça fait en tout 10 tefahim. Et les autres dimensions, arba à l'arba tefahim, vers cela, que cela, il est en hauteur. Il est en hauteur, il est dressé. Quand il a 10 tefahim de hauteur, et arba tefahim sur arba tefahim, 4 tefahim sur 4, הנוטל מהן והנוטל על גבן. שולי כיפרן אובג'ה כאתה פוזה דשו ולסורטיר שבור ששאלה שפורנו רשות הרבים אוהי שם רשות היחיד. הנוטל מהן שולי כיפרן דן אובג'ה דשו ולסורטיר או רשות הרבים. או הנותן על גבן שלי כי הפורטן אובג'ה דרשות הרבים אקי מדשו חייב אילי חייב חייב כל חטאת חייב חטאת בן חטאת פחות מכן פטור, s'il y a 9 תפעים au lieu de 10, ou s'il y a 10, mais il y a moins de 4 sur 4, il est פטור, אבל אסור. Tu as des... Oui, je le fais. Alors... Et voilà. Le bord est en marron. Ça va? C'est-à-dire, le bord lui-même, au lieu d'être creusé, il est fait avec la margelle, Julia. Et il a 4 tefahim sur 4 tefahim. Le sela, vous l'avez vu. Également 4 tefahim sur 4 tefahim et 10 tefahim de hauteur. Celui qui met le pain dessus sur le sela ou celui
qui sort de l'eau en dehors, ou un objet du dehors qui le met en dehors dans les jours de l'abîme, il est hayab. Bon. Bien. La malie limite n'est pas liée à ta bord. Véasela. Dites-ne à bord, véasela. La question d'Agmara, elle est pourquoi dire la margelle et le bord? Puisque tu me donnes les dimensions profondeur de 10 tefahim, c'est la hauteur de 10 tefahim, tu n'as qu'à dire à bord, véasela. Pas la chulia à bord, véasela. La chulia, c'est le diouk. La chulia, elle est venue pour être médaillée, que c'est inclus dans les 10 tefahim. Oui. C'est ça, ce qu'on va voir. La mali limitne. Pourquoi faut-il enseigner dans la Mishnah la margelle du bord du puits et le sela et le rocher? Litne qui n'a qu'à nous enseigner les deux cas à bord pour la profondeur, la sela pour la hauteur. Alors il répond, il dit, mais ça y allait. Le Rabbi Yohanan, mais ça y allait. Il vient conforter le Rabbi Yohanan, de Amar Rabbi Yohanan. C'est-à-dire Rabbi Yohanan a dit, Bor Behuliata Mistarifin la Asara. Le bord qui est le pied, le creux, Behuliata et la margelle, Mistarifim s'associe pour faire 10. Au vin de 10. Si par exemple c'était creusé à 8 et la margelle est de 2 téfa, ouais. De plus 8, ça fait 10. Ça devient une réchauffe. Ça devient Reshut Yahid. Donc Rabbi Yohanan, c'est lui qui a dit Bor Behuliata Mistarifin. Et donc ça vient conforter ce que dit Rabbi Yohanan. Au lieu de dire Habor Behasela en disant Huliata Bor. Véasela, il m'a dit exactement l'enseignement de Rabbi Yohanan. Si jamais le bord n'a pas un creux suffisamment profond et que la Hulia vient compléter les 10 Tefahim, alors la Hulia fait partie du bord. Taniana Miachi. Braïta enseigne également Bor Birshut Rabim. Un bord, un puits dans Birshut Rabim. Amuka Asara. Elle est profonde de 10. Urhava Arba. Et 4 de large. La largeur, n'est-ce pas, le côté, l'arête est de 4, 4 fahim. En me malé'in, hemena be shabbat. On ne doit pas du tout prendre, sortir de l'eau de là-bas, shabbat, à moins de faire une mehitsa.
comment de faire une clôture. Okay. On va voir. Et même les inémen à Shabbat. On passe à Tzadik. Et à Moudbet. Et là, il y a un la mehitsa gavoa asara tefahim. Il a fait une clôture, n'est-ce pas? Mehitsa qui a une hauteur de asara tefahim. Et quand il remplit à l'intérieur de cette mehitsa, de cette clôture, pour dire que il sort de Rishut Hayahid à Rishut Hayahid. Mais il ne pourra pas sortir à l'intérieur de, à l'extérieur de cette clôture qu'il a fait. Non, non. C'est ça. Celui qui se trouve à l'intérieur de la Mehitsa et qui veut puiser, qui veut sortir de l'eau, il peut le puiser. Tant qu'il reste à l'intérieur. Voilà. Ça va? Ben Shotin Ehemen. Si jamais il veut boire, alors il ne peut boire de l'eau de ce puits et Lime Ken. Seulement à condition ichnis la rocho verubo. Il faut qu'il rentre pratiquement dans le rentre. Que son corps rocho, sa tête verubo et le robe de son corps pour dire qu'il est à l'intérieur de Rishut Hayahid pour boire. Et le bord et sa margelle, Mistarifim s'associent ensemble pour faire, pour compléter les Asarat et Fahim. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre? Pour boire, il est nécessaire de baisser la tête. En baissant la tête, il s'introduit à l'intérieur. Mais il doit quand même encore accompagner une partie de son corps. Sans ça, il ne peut pas boire. L'essentiel, c'est de ne pas sortir l'eau en dehors du puits vers Rishut Arabim. Vers les Rishut Arabim. Pour ne pas sortir, il faut rentrer la tête dans l'espace du bord. Mm-hmm. Il n'y a pas une zone grise, n'est-ce pas, Rabbi? La ligne, c'est la ligne. Pas de zone grise. Yachar, c'est ou Yachid ou Rabbi. Ouais. Alors, maintenant, les bayot vont commencer. Tout cela était bien avec ces questions. On va voir que ce n'est pas aussi, aussi simple. Évident. Pamine Rav Mordechai Merabba. Il y a ceux qui disent. Le Soret HaShas dit il faut le dire Rabba.
avec Ré. On a vu maintenant que lorsque quelqu'un veut boire du puits, il ne peut pas sortir en dehors. Et pour boire, il faut qu'il rentre sa tête et le robe de son corps à l'intérieur pour boire. Maintenant, dans le cas contraire, c'est ça la question de Mordechai, à Rabbah, Amoud Virchot Arabim, une colonne qui est située dans Réchot Arabim, et qui est Réchot Ayahid Gaboa, Asara Tefahim, elle est haute de 10 Tefahim, et Rahab Arba, c'est bien Réchot Ayahid. Oui. Vezarak Venahal Gabav. Il a jeté un objet et c'est tombé sur la colonne. Mao, c'est quoi la halakha? Est-ce qu'il est hayab? Il n'est pas tout. Quel est le problème? On a lancé l'objet volontairement. Il n'est pas tombé tout seul. Mais le problème, c'est qu'il est dans le Réchot Arabim et il pose, il lance quelque chose qui va atterrir au Réchot Ayahid. Ayahid, exactement. Est-ce qu'il a réellement lancé le Réchot Arabim? Parce que la hauteur. C'est quoi la hauteur? Dit Efachim, on avait dit que c'est Pitour, Makom Pitour. Makom Pitour. Et quand il lance? Bien, on peut assumer qu'il est grand de taille et qu'il lance de plus de Dit Efachim, mais ça atterrit sur. Pour qu'il tombe sur la Sarat Efachim, il faut qu'il soit au-dessus de la Sarat Efachim. Donc il ne lance plus. Dans une réchute. Il lance de Makom Pitour à Réchot Ayahid. C'est pour cela qu'il pose la question à Mao. Est-ce qu'il est interdit de lancer, Rabbi? Si c'est Réchot Arabim, on a oui, vu. Oui, c'est. Si c'est Réchot Arabim, il n'a pas le droit de lancer. Il est dans Réchot Arabim. Voilà, oui. Il est Hayab. Il est Hayab, oui. Mais là, une autre Sa'a. Nachnasa, quand il a lancé, il a envoyé l'objet plus haut que Asarat Fahim. Oui. Force Hayar. Non, tout dépend. Parce que si c'est Dite Fahim avec 6 en bas et 4 qui sont au-dessus de la terre, ça fait que 4. Non oh. Quel c'est 4? Parce que, d'accord, c'est dit Tefahim. Si on compte tout, si on additionne tout, mais s'il y a 6 qui viennent du bas, du trou, et qu'il n'y a que 4 en haut, lui, par rapport au sol, on il a que 4. On parle d'une colonne. Et la colonne qui mesure 10. Amoud. On parle pas d'un puits. C'est toute la colonne qui part du sol. D'accord. Et la colonne se trouve à la hauteur. D'accord. Et pour qu'elle tombe ici, parce que la hauteur est de 10 Tefahim. Quand il a lancé pour que ça tombe, donc il doit aller plus haut que 10 Tefahim. Et c'est ça sa question. Est-ce qu'il a lancé de Réchot Arabim ou de Makom Pitour? Je peux montrer une illustration, Rabbi, pour cette... Okay. Oui, montre.
Vous voyez, la colonne est en marron, gris. Vous voyez, Gaboa, Sarat et Fahim. On vous donne la dimension. Quand il a lancé, regardez, il y a une hauteur. L'objet a voyagé dans l'air qui est plus qu'Asarat et Fahim dans Rishut Arabim. Alors, où est-ce qu'on peut définir Pitour par rapport à Arabim? Alors, il se pose la question. Est-ce qu'il a lancé réellement de Rishut Arabim à Rishut Yahid? Ou de Makom Pitour? C'est un Makom Pitour qui est tombé dans Rishut Yahid. Alors, on va voir, lui dit. מי אמרינן הרי עקירה באיסור? הרי הנחה באיסור? איזה קום ודיר כל העקירה דן רשות הרבים להתפת דן רשות הרבים? לפחי הנובג'י דן רשות הרבים, עקר אותו. קונטי ללנסה אלה נח של הקולון. אלו שיא אומבוה שלון לעקירה. Et selon la Anaha, il y a Issour. Issour, Anaha, Issour. Odilma, ou bien, je peux dire, que Vandim Makom Pitour Kaatia. Là, du fait qu'en la lançant, cet objet, il vient d'où? De Makom Pitour, il a voyagé en haut, plus haut que Asarat et Fahim. Donc il n'y a pas de Otsa ni Akhnasa, ça reste dans une rechute de Pitour. Donc il n'est pas coupable. Pas donc encore, il n'y a pas le donc. Il y a deux aspects. Le premier, il est Hayav. Le deuxième, il serait pas tour. Amalé, Matnitin, il lui a dit, c'est une Mishnah. C'est-à-dire, c'est une autre Mishnah. Ça va? C'est une autre Mishnah. Anoten al-Gabab ou Anoten Mishama. Hayav. Attachez-le à le Rabbi Yosef. אמר לי, מתניתיני. רב מרדכי בנו, אל אדמון דה רב יוסף ויוסי, וידיש אנות משנה. אתה שאלה לי אבאי, אל אדמון דה אבאי, רב מרדכי. אמר לי, מתניתיני. אנות משנה. אמר לי הוא, רב מרדכי, אלא יוסט אקספרשון, אילו רדיאטוס כולכו ברוקה דהדה דהתפיתו, ברוקה, רוקה זה דהיה לו קרשה, לא רוק, ברוקה דהדה די, זה דהיה לו מם קרשה, ממם סליף. שוטה אנסם. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Matnitin, matnitin, matnitin. Personne n'est en désaccord. Tout le monde est d'accord pour dire la même chose. Amroulé. Bien, on répondu à Rabbi Mordechai. Et toi, tu ne penses pas que c'est ça. C'est Matnitin, c'est notre Mishnah. Quelle est la différence qu'il y a entre notre Mishnah
est ta question. Alors, si c'est un autre Mishnah, c'est quoi? C'est Hayav. C'est comme le premier cas qui est de Rav Mordechai. Hayav. C'est Rav Akhnas. Alors, ils lui ont dit, toi, tu n'es pas d'accord. Mais Hatnan, nous avons appris dans notre Mishnah, Anotel Mehen, celui qui prend de leur dessus, de dessus, ces endroits. והנותן על גבן חייב. שולי כי מי, שתגיד כי דן הנותן על גביו, שהוא אשור לקולון, שהוא אדון לפי חייב. אין עוד משנה. קלר. C'est comme ça qu'ils répondent, que c'est très clair la Mishnah, c'est un cas parfait. L'amour des chènes est parce que... Bravo, Afsham l'irait. L'amour des chènes leur dit... Notre Mishnah se justifie si l'objet qu'ils ont posé, qu'ils ont voyagé, fait voyager, en jetant, il était fin. Il dit, Amar Lehu, Dilma, Matnitien Ben Mahat. Peut-être que notre Mishnah, elle parle, quel est l'objet qu'ils ont pris ou qu'ils ont mis. Une aiguille. Une aiguille qui n'a pas de hauteur. D'épaisseur. D'épaisseur. Donc, c'est négligeable. Si c'est un objet qui est grand, c'est obligé d'arriver au pré-compito. Par-dessus la vire de Rishot Arabim. Dilma Matnitien Bemahat. Peut-être que notre Mishnah, elle parle de l'objet. D'un objet particulier. C'est quoi? Une aiguille. Une aiguille. Avaka Moshe. Il dit, mais est-ce que Moshe va boker? Il y a Al El Arsinaï. C'est de là qu'il revient. Ils lui ont dit, Mahat Nami, même si c'est une aiguille, I Efsha de la Médalia pourtant, il est impossible de ne pas la faire voyager un peu plus haut qu'Asarat Fahim. Pour la poser sur Asarat Fahim. Donc il y a une anacha. Ça va. Il doit être posé. Vas-y. Mordechai, il est... Il lâche pas. Alors il dit non. De quoi je parle? Je parle d'un sela. Dans ce sela, il y a un pic, une pointe qui est fine.
ça va, qui est fine. Alors, imaginez un petit peu, c'est là, tu as une illustration ici. Oui, j'arrive. Ouais, voilà. Voilà, pour comprendre. Voilà. Vous avez ici, je ne sais pas si on voit très bien, on voit ici comme un creux là-bas. Un creux. Ici, là. Là, je vais essayer de... c'est visible. Il y a deux, il y a une fente. Mais là, il y a sur le côté un creux, et sur l'autre côté, il y a une hauteur. Ça va. Donc, il n'a pas eu besoin d'aller en haut d'Asara Tefahim. C'est toujours moins qu'Asara Tefahim. Oui. Et c'est, alors tu vas dire, si c'est moins qu'Asara Tefahim. C'est mes réchutes, les réchutes. C'est pas réchutes, c'est pas réchutes, les réchutes. C'est ma compito. Dis non. Ça s'appelle Choré Réchutes Yahid. Essayez d'imaginer, par exemple, une colonne et à la hauteur de 6 Tefahim, il y a un creux. Une crevasse. Quelqu'un est venu, il a introduit l'objet dans le creux. Quelqu'un va dire, mais c'est pas Réchout Yahid. Oui, toute la colonne s'appelle Réchout Yahid. Mais ce creux, du fait qu'il se trouve à moins de 10 Tefahim, n'est pas Réchout Yahid. On lui dit non. Ce creux, du fait qu'il se trouve dans une colonne qui est elle-même Réchout Yahid, tous les creux, tous les trous qui se trouvent là-bas sont aussi Réchout Yahid. Réchout Yahid. Alors, Rabbi Mordechai leur dit, Dilma, de quoi on parle? On parle, oui, il n'a pas du tout voyagé plus haut que Asara Tefahim, puisqu'elle elle est passée soit entre, qui est moins que Asara Tefahim, ou bien elle a atterri sur un endroit qui est moins que Asara Tefahim, et qui pourtant, les deux font partie de Réchout Yahid. Ça s'appelle Choré, les trous de Réchout Yahid, qui sont eux aussi Réchout Yahid. Alors il dit, Inami, Derami Abba Harissa, il a envoyé dans la Harissa, c'est-à-dire il y avait dans le Sela une fente et il l'a jeté dans la fente. S'il l'a jeté dans la fente, il n'est pas du tout au-dessus de Asara Tefahim. Il est à l'intérieur de Asara Tefahim. Il est de Réchout Arabin à Réchout Yahid. Ça va, Rabbi Mordechai. C'est Rabbi Mordechai. Il s'appelle Rabbi Mordechai. Je répète le raisonnement, s'il vous plaît. Aidez-moi parce que
je ne veux pas faire d'effort. Barab Mordechai Baha, Yaraba, Yaraba, Zarak, un objet de Réchout Arabim, est tombé sur une colonne qui est haute de 10 Tefahim et elle a 4 sur 4. Mahou, c'est-à-dire Mahou, quel est son statut? J'ai deux possibilités, deux alternatives. Première possibilité, il a fait l'Akira dans Réchout Arabim, Akar. Il a lancé, ça fait une anaha dans Réchout Ayahid, Akira anaha, Hayab. Il a fait un issur, Hayab. Ou bien, du fait qu'il a lancé, de la vie 10. Pour lancer, il faut que ça soit au-dessus de Asara Tefahim. Donc, il a lancé même Makom Pitour. Il a voyagé dans Makom Pitour. Il est venu s'installer sur les choses d'Ayahid. Et alors, dans ce cas-là, il est. Patour. Patour. Baraba lui dit Matnitieni, c'est notre Mishnah. Notre Mishnah, soit qu'il a pris, soit qu'il a mis, il est Hayab, Hayab. Ta question est répondue dans notre Mishnah. Il a posé la même question à Rabbi Yosef, lui a dit, maintenant, tiens, c'est notre Mishnah. Bah, chez Abaye, il a dit, Abaye, maintenant, tiens, c'est notre Mishnah. Il a dit quoi? Tout le monde, le même crachat, la même chose, banana, banana. La même salive, la même chose, la cavade. Et c'est génial ça, ouais. Ils sont fins. Alors ils ont dit, et toi, tu ne penses pas comme nous? Alors, il leur a dit, bah, je ne pense pas comme nous. Qui vous a dit que notre Mishnah, elle parle d'un objet épais? On parle d'une aiguille qui n'a pas d'étendue, qui n'a pas d'épaisseur. Alors, ils lui ont dit, même l'aiguille, il est impossible de ne pas lever un peu plus. Il leur a dit, non, moi je parle d'un Sela qui présente soit un creux, c'est-à-dire un pic qui est moins grand, point haut, soit une fente. Il a lancé à travers la fente. Où il est, l'a lancé, c'est tombé dans le pic qui a 9 Tefahim et qui s'appelle un Hor de Réchout. Il s'appelle un Hor. Un Hor, ça veut dire un creux de Réchout Ayahid. Dès lors qu'on l'appelle un Hor, il est. Il fait partie du Réchout Ayahid. Il est Réchout Ayahid. Lui-même est Réchout Ayahid. Alors, c'est ça le Mahloket Rabbi. Lui, il dit que c'est Rabim. Ce Khor, lui, il va dire que c'est Réchout Ayahid. Mais eux, ils vont dire que c'est. Quand il va lancer là-bas, il va tomber dans Réchout Ayahid. Il n'a pas besoin de lever plus haut que 10. Dans les dessins, Rabbi, les dessins que nous propose Doudou,
les colonnes semblent être moins grandes que le Kohen. Quoi? Les colonnes au niveau de la taille, peut-être parce que c'est un dessin, elles semblent être moins hautes que la personne qui jette un objet. Est-ce que ça veut dire que moi, avant de voir le dessin, j'imaginais que la hauteur de la colonne était un peu plus haute qu'une personne, que la hauteur d'une personne. Mais c'est Tefachim, c'est pas Amot. Asara Tefachim. C'est Tefachim, alors c'est 8 à 10 cm par Tefa. Non. C'est 1 mètre de hauteur. Quand vous lancez un objet, oui, pour qu'il tombe à Asara Tefachim, vous êtes obligé de l'envoyer plus haut qu'à Asara Tefachim. Plus haut que. Oui. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Je ne dois pas toucher l'autre baïa. Notre baïa encore plus fine. Mm-hmm. Est-ce qu'on a bien compris ça? Si on n'a pas très bien compris, dites-le moi, on va recommencer. Nous avons 3 minutes, 4 minutes. J'ai eu de la difficulté à comprendre comment l'aiguille peut reposer dans une crevasse de la colonne, au sommet du rocher. La photo, il y avait un creux dans la pierre, dans la colonne. Montrez-lui la photo. Oui. Tu vois ça? Oui. Voilà. Ah, c'est ce creux-là. Voilà, normalement, la pierre. Il y a ici une entaille. Oui, il y a une entaille. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, je vois maintenant. Je regardais pas ça, je regardais l'objet qu'il avait entre les mains et me demandais où se trouvait l'aiguille. Ouais. D'accord, ok, là j'ai compris. Merci. Maude, y a-t-il... Rabbi, quand Rav Mordechai répond, il dit qu'on parle d'une aiguille. Tout ça pour dire qu'elle ne va pas monter sur le dit Tefachim et qu'elle va voyager moins que le dit Tefachim. Et qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? Alors, ils lui ont dit, c'est impossible qu'elle ne monte pas plus haut. Oui, mais sa compréhension à lui, quand il dit qu'elle ne va pas monter dans le Makom Pitur, ça veut dire qu'elle reste dans le Reshut Harabim. Pour arriver à cette pierre, mais ensuite quoi? Quand il la rentre dans la pierre, elle reste toujours dans Reshut Harabim, le trou? Il a dit comme ça, il a dit, la Mishnah n'a pas la même chose que ma Baya. La Mishnah n'est pas d'un objet. C'est un objet qui a été pris de la colonne, ou bien un objet qui vient de Reshut Harabim, qui est déposé sur la colonne, ou dans le... Alors, il leur a dit, qui vous dit que c'est un objet épais? La Mishnah, elle parle d'un objet fin. Mais d'après Rav Mordechai, si ça s'est permis de faire bouger l'aiguille comme ça? Non. Notre Mishnah parle de ce cas. Ah. Ça veut dire que c'est assur. Bien sûr. Hayab. Ah, et pour tout ça, pour clarifier que quand lui dit qu'il jette plus haut que le dit Tefachim, ça serait permis. Alors, ils lui ont répondu, même une aiguille. Si elle est là. Elle va dépasser. Merci. Voilà. Tout cela pour vous dire qu'elle est... l'imagination des Hachamim. Qui parle du Talmud, il y a une imagination, ils font marcher leur imagination. On va trouver un cas extrême, un cas fin. Voilà, Rabotai. Amen. 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 Merci, Rabbi. J'étais obligé
Enfin,